Bonjour à tous, je me présente. Mon nom est Dominique Massicotte, responsable de l'éducation, de l'action culturelle et des communications au Musée des cultures du monde à Nicolet. Et aujourd'hui, on va vous présenter brièvement deux expositions temporaires présentées au musée. Mémoire de l'avenir, Nicolet 350 ans. C'est une exposition qui va parcourir les époques et l'histoire de Nicolet et un peu de son avenir. Pour souligner le 350e anniversaire de la ville. Et on va faire un tour au cœur du musée. On va vous présenter certains secrets des collections du musée, comment ça fonctionne, comment on choisit des objets, qu'est-ce qu'on va venir trouver, comment on prépare des expositions. Ces deux expositions-là sont présentées tout au long de l'année 2022 et, tout dépendant du calendrier, jusqu'en 2023. La première exposition qu'on va venir visiter, c'est Mémoire de l'avenir. Je vous invite à rentrer. Comme je disais dans mon introduction, l'exposition qu'on présente dans le cadre du 350e anniversaire de Nicolet, c'est une exposition, oui, sur l'histoire de Nicolet, mémoire de l'avenir, mais on se promène dans les époques. On va parler des thèmes forts qui relient l'identité nicolétaine. Qu'est-ce qui rend Nicolet unique? Qu'est-ce qui fait qu'elle a une histoire si riche, un patrimoine si important? Et on commence l'exposition avec un regard, si on veut, d'artiste. Lorsqu'on rentre et on tourne, ce qu'on va voir en premier lieu en arrivant, c'est une murale réalisée par l'artiste muraliste Maxime Charland. C'est un projet qu'on a fait en collaboration aussi avec le Centre Jeunesse Emploi et des Jeunes de Nicolet, qui ont répondu à des questions un peu sur leur vision de l'avenir de Nicolet. Et par la suite, Maxime Charland a interprété les réponses qui ont été données aux questions qu'on a posées aux jeunes. Et il en a fait un mélange des éléments du passé, du patrimoine de Nicolet, avec des symboles actuels et des éléments un peu des valeurs des jeunes, des valeurs, par exemple, d'environnement qu'on peut retrouver, des valeurs d'égalité, de tolérance et plusieurs éléments aussi plus actuels par rapport à Nicolet. On peut reconnaître les oies, des éléments par rapport à la nature, certains bâtiments architectural avec un certain patrimoine, le nimaluge qui a été réinventé aussi au goût du jour selon l'artiste. Fait qu'on s'imagine, et ça présente bien un peu le topo de l'exposition, on se promène dans les époques, on se promène dans différents thèmes. On continue. C'est une entrée très lumineuse dans l'exposition. C'est la section plus sur l'environnement. Juste en regardant ici, on voit les passerelles. Lance au port, qui est une des attractions touristiques majeures de Nicolet. Tous les Nicolettins font un petit tour aux passerelles, je vous dirais, à chaque année. C'est un lieu magnifique pour les paysages par rapport au fleuve et au lac Saint-Pierre. C'est aussi un endroit incontournable pour tout ce qui est l'ornithologie. Donc, c'est vraiment un incontournable, mais c'est aussi d'expliquer un peu l'environnement, le lieu qu'on situe géographique, influence l'évolution d'une ville à quelque part. Ça va évoluer par rapport aux industries, ça va évoluer par rapport à l'habitation. Fait qu'on fait un petit survol de qu'est-ce qu'on retrouve d'un point de vue écologie, d'un point de vue environnemental sur le territoire de Nicolet. Si on avance un peu, on traverse nos passerelles. On fait un petit survol de tout ce qui est l'agriculture. La ville dépend beaucoup de l'industrie agroalimentaire. On parle des différentes industries qui habitent au territoire de Nicolet. Par la suite, on fait un petit survol aussi des réserves naturelles du Boisé du Séminaire, qui est une des premières réserves naturelles en milieu urbain qui a été réalisée par les séminaristes au 19e siècle. Et on a aussi des éléments qu'on présente actuels par rapport à l'administration de la ville de Nicolet pour la protection de l'environnement, les initiatives vertes pour être à l'avant-garde dans les différentes municipalités du Québec sur les respects de l'environnement, sur les respects de le respect de l'écologie. On avance. Thème suivant. C'est l'éducation Nicolet. Pendant plusieurs années, ont eu une vocation éducative très forte. Le premier grand, la grande institution qui s'est établie, je vous dirais, à Nicolet, c'est le séminaire au début du 19e siècle. Par le passé, il y avait deux autres séminaires au Québec. Un à Québec,
un à Montréal. Ça a été le troisième séminaire qui a été ouvert rapidement. Ils vont en construire un nouveau, plus grand, pour répondre à la demande, étant donné que Nicolet a été choisi pour sa position. C'est dans un milieu rural, dans un milieu agricole. La population canadienne-française au 19e siècle était majoritairement rurale et on cherchait à éduquer les jeunes garçons à l'époque. Donc Nicolet a été choisi. Et aussi, elle a été choisie plus tôt que Trois-Rivières, étant donné qu'on voulait s'éloigner des centres urbains. Pour l'Église, pour le clergé à l'époque, c'était vu comme un peu un lieu de corruption des mœurs, un lieu du péché. C'est une des interprétations qu'on nous a données. Donc, on a plutôt choisi un milieu rural pour fonder le nouveau séminaire qui a été en place jusque dans les années 60 et qui est venu à fermer avec la sécularisation de l'État. Le séminaire, le bâtiment en tant que tel, existe toujours. C'est maintenant l'École nationale de police, un incontournable. Quand on parle de Nicolet, souvent, on pense rapidement à l'École nationale de police. C'est de présenter un peu dans l'exposition. Mais c'est quoi la mission de l'École nationale de police? De donner une formation aux jeunes policiers pour un peu les homogénéiser. Avoir une formation standardisée, parce qu'avant les années 60, les corps policiers au Québec avaient des formations indépendantes. Parfois, il y avait une formation assez stricte, structurée. Parfois, c'était la personne au village qui souhaitait être policier, pouvait le devenir et on donnait les autorités. Donc, on veut s'assurer au Québec d'avoir un corps policier standardisé, d'où la mission de l'École nationale de police. C'est les deux grandes institutions qui ont marqué l'histoire de Nicolet, mais on en trouve d'autres. On peut en faire un bref survol, par exemple, en arrière de nous. On parle de l'institut familial où que les sœurs formaient les jeunes filles à différentes tâches, à différents travaux. L'école normale de musique, le collège Notre-Dame de l'Assomption, des bâtiments plus récents. Et l'histoire de Nicolet est aussi marquée par des bâtiments divers par rapport à l'éducation. On peut penser à des éléments plus contemporains. La polyvalente Jean-Nicolet, qui est une des premières polyvalentes à être ouverte au Québec, qui a formé beaucoup de Nicolétains par la suite. L'École nationale d'agriculture, qui a maintenant déménagé à côté de la polyvalente, qui forme, qui donne des formations par rapport à l'agriculture. On va continuer un petit peu. La grande bâtisse qui se trouve non loin de nous, juste ici, c'est la section sur le patrimoine religieux de Nicolet. Le slogan de la ville de Nicolet, c'est « Zoné divin » pour sa qualité de vie, mais notamment, principalement, je vous dirais même, pour tout ce qui est patrimoine religieux. On a retrouvé différentes églises. Au total, on en compte à peu près 9 églises et 5 cathédrales. Fait qu'on fait un survol un petit peu des différents bâtiments avec photographie. Moi, j'aime beaucoup souligner qu'en moins de 100 ans, on a eu 5 cathédrales sur l'histoire de Nicolet, qui ont tous eu leur lot de malheurs, défauts de fabrication, incendies, effondrements. Une cathédrale qui va s'arrêter au pied de l'Éboulis et la cinquième qui est marquée un petit peu par son style architectural très moderne en béton armé. Ici, on rentre à l'intérieur des communautés religieuses. C'est de faire un survol des différentes communautés religieuses, étant donné qu'on est sur un territoire d'un évêché. Les communautés religieuses ont été attirées à venir à s'établir à Nicolet. On peut penser aux Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge qui ont œuvré dans le domaine de l'éducation. On peut penser aux Sœurs Grises qui ont fondé l'Hôtel du Nicolet, qui ont donné les services de santé. Là, on tombe un peu plus dans le contemporain, l'Ordre des Carmes des Chaux, qui sont arrivés ici dans les années 50. Aussi, au fil du 20e siècle, on peut retrouver les Montfortins qui se sont établis à Nicolet, qui maintenant, ça s'est retransformé en un hôtel qui était vraiment plus des missionnaires et qui avait des services aussi à caractère plus spirituel. Fait qu'on fait un survol de ces communautés-là. Et lorsqu'on sort, on sort d'un bâtiment religieux. On y va avec des moments forts de l'histoire de Nicolet, c'est tout ce qui est les tragédies. Un élément, si on ouvre n'importe quel livre d'histoire qui veut venir souligner un peu ce qui s'est passé à Nicolet par le passé, c'est incontournable de parler de ce qui s'est passé en 1955 avec l'incendie qui a ravagé à peu près tout le centre-ville de Nicolet, où il n'y a eu aucun décès par miracle, par intervention rapide de la police et surtout de l'éboulis qui a transformé le paysage de la ville, qui a été vraiment une catastrophe majeure. On a retrouvé 3 décès, si je ne me trompe pas. On a été chanceux dans notre malchance. Et si on regarde un peu les cartes, les rapports qui ont été faits suite à l'éboulis,
on voit vraiment que c'est à peu près tout le centre-ville, les centres de services qui ont été touchés. Oui, des milieux d'habitation, mais c'est vraiment toute la... le cœur de Nicolet qui a été touché par l'éboulis, qui a été retransformé par la suite. Et on fait référence à d'autres tragédies, des ponts, des inondations qui ont eu lieu, la tragédie des Anges au début des années 2000 aussi, qui ont marqué l'histoire des Nicolétains. En face de nous, si on se retourne, ben c'est tout ce qui est par rapport à l'économie. La vocation Nicolet, on va aller voir ça un petit peu plus proche. C'est quoi les industries qui ont marqué? On a survolé un peu l'agriculture en départ, mais aussi tout ce qui est l'économie du bois. Il y avait beaucoup d'envois qui étaient faits en Angleterre au début du 19e siècle par rapport à l'industrie du bois. Les réseaux de communication, le port Saint-François. Beaucoup de personnes savent qu'il y a un port qui s'appelle Saint-François. Nicolet, mais pourquoi Saint-François? C'est à cause de la rivière un peu plus loin, qui était un lieu de transit vers les cantons de l'Est, étant donné que c'est toute la colonisation de cette région-là qui passait par Nicolet, par le port Saint-François, et qui descendait par diligence par la suite vers Sherbrooke-Granby pour aller équiper les terres. On a une grande bannière lumineuse avec différentes entreprises qui ont marqué Nicolet dans les dernières années. Il y en a peut-être que vous reconnaissez. Il y en a peut-être que vous vous dites aussi, peut-être qu'il manque telle industrie. Ça fait beaucoup réagir les visiteurs, cette section-là, quand ils viennent à le visiter. Et on a aussi une brève mention de deux acteurs économiques qui célèbrent aussi cette année leur anniversaire à Nicolet. Sojetel, qui œuvre dans les télécommunications, qui ont apporté tout ce qui est la téléphonie, l'Internet à Nicolet, étant donné qu'ils s'étaient mal desservis avant l'arrivée de la compagnie de téléphone dans le fond de la corporation. Et la Caisse des Jardins, qui est un acteur économique de financement qui célèbre aussi son anniversaire cette année. Un peu plus en face de nous, c'est la section sur l'économie et les sports. C'est un élément fort de l'identité, fort des loisirs de Nicolet, fort de l'attraction. Les équipes de baseball, les équipes de soccer, les différentes activités, les différentes compétitions, les différents bénévoles aussi qui ont fait vivre les activités sportives. Les institutions culturelles, oui, on parle du musée, mais pas que. Nicolet est une ville à caractère culturel très dynamique. On peut parler du Centre des arts populaires qui tient plusieurs événements durant l'année. On peut parler de la maison et de l'atelier Rodolphe Duguay qui présente des expositions, qui présente la vie d'artiste à travers de ses œuvres et à partir du lieu où il a travaillé. Manufactum, qui est un regroupement d'artisans locaux qui ont leur galerie boutique située à Nicolet. Et les différents artistes, acteurs culturels qui ont fait vivre Nicolet de différents milieux. Là, on va vraiment présenter des brèves biographies des auteurs, des artistes, des humoristes, des animateurs, un peu les célébrités culturelles de Nicolet, des artistes d'aujourd'hui, mais aussi du passé. Rodolphe Duguay, Juliette Béliveau, Sœur Jeanne Vanasse, des artistes qui ont œuvré dans leur domaine, qui ont fait une certaine renommée. Donc, de venir les présenter pour vous dire qu'il y a un dynamisme à Nicolet. Et dans le petit coin arrière, c'est de présenter un peu l'évolution de la ville. Son administration, comment les pouvoirs sont partagés et un peu parler de la seigneurie. La fondation de la ville de Nicolet, la date fait un petit peu débat étant donné qu'il y a eu une chicane entre seigneurs. Maurras qui a occupé les terres en premier, mais qui ont été concédées par la suite par Jean Talon pour les redonner à Arnaud de Laubia, et qui a reçu les terres en 1672, qui a vraiment marqué le début de l'histoire de Nicolet. Parler aussi des fusions de Nicolet, les différents quartiers qu'on trouve, les différentes anciennes municipalités sur le même territoire qui forment aujourd'hui Nicolet. Et la dernière grande section, c'est sur les communautés de Nicolet, ceux qui habitaient là. On fait un grand retour dans le temps. On s'en va plus à la période liée aux Autochtones. C'est des éléments très forts par rapport à la culture abénakise qui ont occupé le territoire avant l'arrivée des Français. On trouve la grande carte qui nous présente un peu le territoire de Nicolet. Nicolet qui est situé entre deux communautés autochtones, Odanak et Olinak. On présente un peu les paliers de frêne qui est un héritage fort des Abénakis et l'arbre de souhait, qui a été réalisé durant le 350e par des jeunes de la communauté abénakise qui souhaitaient la garder pour l'anniversaire de Nicolet, un lieu de diffusion. Et nous, on cherchait un peu à
meubler cette salle-là. Et quand on a appliqué, eux cherchaient un endroit pour le présenter, le conserver, faire la médiation avec, le présenter au public. Pour nous, ça a été tout naturel de le présenter. On invite aussi le visiteur qui fait partie de cette communauté de Nicolet ou qui est de passage de participer un peu à l'arbre généalogique. Les visiteurs, c'est tout simple, on lui demande de prendre une feuille, de le poser sur l'arbre et d'inscrire son nom, son arbre généalogique, son nom de famille, pour venir à le garnir un petit peu, étant donné que la communauté de Nicolet s'élargit. Et en lien avec cette grande communauté-là aussi, c'est les différents noms de famille qui ont marqué l'histoire de Nicolet. Le système un peu dans l'arbre qui s'est écrit, c'est assez simple. La calligraphie nous dit c'est à peu près quelle école qu'on a commencé à voir ces noms-là. Les noms en brun font référence plus à la période autochtone, surtout des noms abénaquis. Les noms de famille churusifs écrits à la main, c'est par rapport aux communautés liées à l'immigration française en Nouvelle-France. Quand c'est un peu plus rond, je vais venir le pointer, ça va être plus simple. Comme Marleur, Bourget, Gilmore, ce sont des noms issus de l'immigration anglaise au 19e siècle. Et les noms de famille carré, Dorlet, Thiam, j'essaie de trouver rapidement Barbossa. Ce sont des liés à l'immigration récente de Nicolet, la communauté vietnamienne, la communauté portugaise, les différents milieux de l'immigration qu'on trouve à Nicolet. Et la dernière petite salle de mémoire de l'avenir, on se relance maintenant dans le futur, c'est qu'on invite le visiteur de laisser un commentaire sur l'avenir de Nicolet. Comment il s'imagine Nicolet dans 25 ans? Qu'est-ce qui va continuer? Qu'est-ce qui va s'arrêter? Qu'est-ce qui va changer? C'est quoi les valeurs qui vont habiter les gens de Nicolet dans 25 ans pour le prochain anniversaire de la ville de Nicolet? Donc, on invite le visiteur de laisser son témoignage pour qu'on puisse le retrouver dans 25 ans pour savoir si oui ou non ça s'est bel et bien réalisé, comment on s'imaginait Nicolet dans le futur. Et c'est la manière que l'exposition se conclut en donnant parole aux gens d'ici. Comment est-ce que les gens peuvent faire ça? Actuellement, il y a deux manières, soit avec un code QR, donc on utilise son propre téléphone, on laisse un commentaire, on se le filme pendant quelques minutes, ou avec la tablette qui est à la disposition du visiteur qui s'allume lors du passage et que le visiteur peut encore une fois laisser son commentaire, sa petite capsule temporelle. Et on continue. Et c'est ainsi que se conclut l'exposition Mémoire de l'avenir Nicolet, 350 ans. Maintenant, on va continuer notre visite. On va passer à la deuxième exposition temporaire en cours au Musée des cultures du monde. On va aller voir au cœur du musée. On va venir dévoiler les secrets de qu'est-ce qu'un musée et comment ça fonctionne. Et ce qui vient de nous frapper, c'est les réserves du musée. On est vraiment au cœur du musée. Ce qui est au cœur du musée, sa mission première, c'est ses collections. Souvent, quand on visite un musée, on vient voir ses expositions, on va voir une partie infime de ce qui est conservé, qui est collectionné dans un musée. Et là, l'idée, au lieu d'avoir une petite sélection précise de quelques objets en lien avec un thème précis, on essaie de montrer un maximum tel qu'on retrouve dans les réserves d'un musée. Donc, on va suivre un peu le parcours d'un conservateur de musée et on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Comment on choisit un objet, comment on les conserve. Premièrement, ce que je vais commencer à faire, c'est de faire un petit peu un survol rapide des différents objets qu'on retrouve dans nos collections. C'est une section, cette première-là, elle fait un petit peu réagir les visiteurs. C'est la section d'orfèvrerie, les noms des objets. C'est des gros mots. On trouve les calices, les coupes de vin qui sont utilisées à l'église pour la communion. À côté, on a les bénédictiers pour aller chercher de l'eau bénite, venir arroser. On a tout ce qui est les cierges. On a quelques ciboires un peu plus en arrière, cachés au fond. On continue. Encore chandeliers. On a des minéraux qui sont aussi associés à d'autres religions, mais qui font partie de la collection d'orfèvrerie. En entrant aussi, ce qu'on peut venir voir, c'est tout ce qui est la collection de textiles, les vêtements portés par prêtres, curés, qu'on trouve en une très grande quantité parmi nos collections. Ça dégoûte certains publics parfois, c'est nos petites collections de reliquaires. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un reliquaire, c'est un contenant protégeant une relique. Et une relique, d'un point de vue religieux, c'est des restes humains ou des objets importants appartenant à un humain.
d'une personne qui était sainte, une personne avec un statut religieux important, qui est donc conservé, qui peut accomplir des miracles. Nos statues, on les a choisies par contre pour un statut un peu particulier, c'est qu'elles sont brisées. On va expliquer un petit peu c'est quoi de la restauration. Parfois, les objets s'abîment au fil du temps ou il y a des incidents. Donc, il y a plusieurs statues qu'on voit avec des doigts perdus, avec un nez, de la peinture qui s'est un petit peu décolorée. Ce sont tous des œuvres qui ont besoin de restauration. Nos crucifix, nos calvaires et crèches de Noël. On va aller voir un peu plus loin. On a aussi des petits tiroirs. On va venir découvrir un peu les secrets du musée. Donc là, c'est vraiment le même espace, c'est vraiment l'équipement qu'on va retrouver dans le sous-sol du musée, dans les réserves du musée. On va trouver ici nos différents chapelets de prière. L'idée un peu de l'exposition, il y a un côté « en veux-tu, en v'là » d'expliquer vraiment, on a une riche collection à caractère religieux, principalement chrétienne, catholique, étant donné que c'est le patrimoine qu'on retrouve au Québec. Donc ici, on va avoir d'autres objets chrétiens. Petite médaille chrétienne. Aussi, un truc qu'on aime bien souligner, c'est que les objets, on les présente comme dans les réserves. S'il y a un objet qui est en cours d'exposition, on laisse un petit cartel, un petit élément, juste pour avertir qu'on ne va pas remettre un autre objet dans cet espace-là pour conserver son emplacement. Parce que si on commence à déplacer les objets, où est-ce qu'ils sont rangés? On finit par perdre l'idée d'une collection de musées. C'est comme une bibliothèque à quelque part. On veut retrouver, on a des codes, on a des numéros pour bien placer les objets, pour bien pouvoir les retrouver. Il y a un objet mal placé, ben, ça devient un objet perdu. Différents bénitiers, différents contenants à caractère religieux. Je vais passer un peu plus dans ma section préférée. Les objets à caractère, si on veut, qui viennent d'autres croyances, un petit peu partout dans le monde. On va retrouver des objets taoïstes, on va retrouver des objets bouddhistes. On trouve différents chapelets de prières, mais de d'autres religions. Le chapelet qu'on connaît chrétien, oui, est quand même bien populaire, mais il existe d'autres versions. Le mala, le mishaba, le rudsana, qui est associé, lui, à l'hindouisme. Et la dernière section a fait réagir certains visiteurs ou de l'incompréhension. C'est soit un, soit l'autre. C'est les objets de mortification physique. Mortification physique. C'est des vêtements qui servent, pas pour la torture, mais pour ressentir une certaine douleur. Faut comprendre, mais pour certains croyants, la souffrance, je mets des guillemets, parce que c'est pratiqué à différents niveaux, va chercher un certain sentiment de prière, si on veut, un certain état mystique, si on veut, et aussi, ben, dans le christianisme, on veut suivre les chemins du Christ. On peut penser à la passion du Christ à Pâques, où c'est la crucifixion, c'est la torture. C'est un peu la même idée qu'on va retrouver avec l'utilisation de ces objets-là. Donc, par exemple, la civile qu'on va venir serrer sur soi, c'est des vêtements avec les fouets, pas notamment pour les flagellants. Des objets qui vont donc servir à la mortification physique. Ce ne sont pas tous les croyants qui utilisent ça, mais ça fait partie de l'histoire du christianisme. Ça fait partie des pratiques qui existent et ça fait réagir aussi dans l'exposition. On invite le visiteur à jouer au rôle d'un conservateur. On lui propose trois objets qu'on peut recevoir dans notre musée. Et si oui ou non, il vient à choisir. Donc, on va avoir une série de questions à poser en lien avec trois objets. Un clocher d'église, une peinture célèbre et un ensemble de baptême. Et on va poser une série de questions. Est-ce que l'état physique de l'objet est en bonne condition? Est-ce que l'objet est bien documenté? Est-ce que ça répond à la mission du musée? Pour que le visiteur se forme un peu un esprit critique de qu'est-ce qui peut rentrer dans un musée ou non. Et c'est des questions qui sont parfois difficiles. Des fois, on a des cas assez évidents, des corps de hockey, on n'en veut pas. Mais des fois, on reçoit des objets et on se pose vraiment la question de est-ce qu'on peut l'accueillir? Est-ce que c'est trop gros pour nous ou on peut y trouver un espace? On a un objet similaire, mais il y a une petite différence. C'est un objet très ancien, mais aussi très abîmé. Donc, c'est des questions que régulièrement, le conservateur doit venir à se poser. Et un autre interactif, on parle de conservation préventive. Souvent, on dit dans un musée, on n'a pas le droit de toucher. On n'a pas le droit de prendre des photos avec flash. La raison simple, c'est pour protéger l'objet. Et on présente un peu les éléments de la conservation préventive avec un interactif. Des questions de c'est quoi la température idéale pour un musée? C'est quoi l'humidité? C'est quoi les appareils qui sont utilisés?
comment on va manipuler un objet avec le plus grand soin pour éviter de le brûler, de le briser. Donc, ça fait partie des différents éléments de la conservation préventive. Et dans l'autre section du musée, on change d'ambiance. On change de décor, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus aéré. Ben, c'est d'expliquer un petit peu ben, la mise en exposition. On a sélectionné des objets qui ont un fort message qu'on voulait mettre de l'avant. Les cinq objets qu'on voit en avant de nous, ben, ce sont cinq objets associés à cinq traditions religieuses différentes. On a un diadème associé à l'hindouisme. On a en arrière des kippas qui sont associés au judaïsme. On a une ornementation murale qui est associée à l'hindouisme. On a un mishpat, ben, un chapelet musulman. Et on a une sculpture associée au Confucius. En arrière de nous aussi, on trouve un énorme crucifix, mais très coloré. C'est un artiste québécois, mais originaire, je ne me trompe pas, d'Amérique du Sud. Et on a une peinture qui a été réalisée par un autochtone canadien qui mélange des éléments de spiritualité autochtone et de christianisme, ça s'appelle la nativité. Donc, on mélange un peu les deux croyances dans cette œuvre d'art-là. On parle aussi rapidement des différents types d'expositions. Une exposition permanente qui reste longtemps au musée, temporaire, qui dure à peu près un an dans un musée ou moins, mais aussi des expositions itinérantes. On a présenté différentes expositions itinérantes un peu partout au Québec. La plus célèbre de toutes, je vous dirais, c'est Colle papier ciseaux qui a fait le tour du Québec avec les personnages réalisés en papier par Claude Lafortune. On présente aussi les différentes expositions qui ont marqué l'histoire au musée, qu'on a présenté. Surtout des expositions temporaires, des expositions temporaires à caractère culture populaire. Amène-nous la coupe qui comparait le hockey est-elle une religion? Des expositions qui abordaient des sujets sensibles, les sacres au Québec, d'où est-ce que ça vient? Des éléments aussi qui parlaient d'histoire. On a eu Tu ne tueras point, qui était une exposition à caractère historique. Et le dernier élément de l'exposition, je vous dirais, c'est un peu le changement de nom. Il y avait juste un petit peu plus proche de le musée qui passe du musée des religions du monde à le musée des cultures du monde. Pourquoi on a pris cette décision-là? De l'expliquer un petit peu aux visiteurs qu'on veut souhaiter un petit peu de s'ouvrir. On parle désormais un peu plus de diversité, d'immigration, des différents groupes culturels, des différents groupes sociaux aussi au Québec. On veut aborder aussi des sujets qui font partie des traditions et des croyances, mais qui sont un peu plus populaires, tout ce qui est par rapport aux fêtes, tout ce qui est par rapport à l'alimentation, tout ce qui est par rapport à la musique, mais de continuer, de parler un peu de vivre ensemble, de tolérance, étant donné que ça fait partie des valeurs fortes du musée et de notre mission. Donc, on continue dans le changement, on reste la même institution, l'équipe change graduellement, mais ça reste, on est un musée qui est ouvert sous le monde, qui est ouvert à la différence, qui est ouvert au dialogue. Donc, c'est un lieu de découverte, c'est un lieu d'échange. Fait qu'on a bien hâte de pouvoir vous accueillir au musée. Et les crédits. Et on ressort par la boutique. Merci beaucoup, monsieur le guide. Ça fait plaisir. On vous attend avec grand plaisir. On a bien hâte de vous montrer les expositions.